Et bonjour tout le monde, c'est Oxymose et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, eh bien je vais rendre bébé Carlos à Carlos. Dans la dernière vidéo, on l'avait gardé pendant 24 heures et je m'étais arrêté juste avant de le mettre au lit. Et là il est au lit, on est le matin, on va aller le réveiller, lui faire prendre son petit déjeuner et après on va le rendre à Carlos. J'espère que ça va vous plaire, comme d'habitude pensez à lâcher un maximum de pouces bleus les amis. Une vue est égale à un like et évidemment abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, je sors des vidéos tous les jours. Donc voilà, en plus là, ça va être bientôt la rentrée. Les vidéos vont plus sortir à 10h, elles vont sortir plus vers 17h, 17h15, 17h30, je sais pas encore. Donc voilà, c'est le petit changement d'horaire. C'est vrai que depuis le début du confinement, je sors mes vidéos à 10h. Donc sortir mes vidéos à 10h depuis 6 mois, ça, enfin voilà, après ça va faire bizarre le changement d'horaire. Mais à partir de septembre et tout, pendant les courses, les périodes de courses, ça va être 17h. Donc merci beaucoup aux sponsors d'aujourd'hui, donc PC DBFH JKLMNOP et Caligetto G, donc merci beaucoup. Donc c'est les mêmes sponsors qu'hier. Et du coup voilà, les liens pour devenir sponsor c'est en dessous dans la description, c'est soit le bouton rejoindre en bleu, soit le lien devient membre dans la description. Et il y a les t-shirts Teespring, voilà, donc enfin les t-shirts, la boutique, regardez, il y a vraiment pas que des t-shirts, il y a même des masques, des bananes, des coques de téléphone, des coussins, des chaussettes, des mugs, il y a vraiment de tout, il y a vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et là c'est en noir, mais en vrai pour chaque produit, vous avez une dizaine de couleurs différentes. Donc voilà, là j'ai juste mis en noir pour une. C'est une suggestion de présentation, on va dire. Bon, du coup, les amis, on va aller réveiller bébé Carlos. Il a dormi dans mon lit. Moi, j'ai dormi dans le lit de Nils. Parce que Nils, il est toujours chez son pote Nils. Et du coup, voilà. Ah bah, il a laissé la porte ouverte. J'espère qu'il s'est pas déjà enfui. Oh, bébé Carlos! Bébé Carlos, bébé Carlos. Allô? Allô? Qu'est-ce que ce truc là, la guerre mondiale ou quoi là? Qu'est-ce qui t'arrive au Simons? Bah, c'est l'heure de se réveiller, Carlos. Bébé Carlos, pardon. Je dis Carlos, mais c'est bébé Carlos. C'est pas grave. Il est quelle heure? Bah là, il est 10h du matin. Tu m'as fait un chocolat? Non, mais je vais te le préparer. Je vais te préparer un petit bol de céréales et tout. Vas-y, viens, descends. Ouais, j'arrive, tonton, ouais. Et d'ailleurs les amis, on a bien réfléchi. Bah vas-y, viens. Hop. On a bien réfléchi, en fait bébé Carlos, on va pas lui donner de prénom parce que pendant plusieurs vidéos on en avait discuté, mais finalement on en a discuté avec Carlos et on va juste le laisser bébé Carlos. Hein, c'est bien que tu t'appelles bébé Carlos. Ouais, c'est trop cool. Bah voilà. Bon, alors bébé Carlos, je vais te donner un petit peu à manger, tac. Alors céréales, bol de céréales, je vais te donner même un gâteau parce que je sais que toi t'as faim, un peu de pain et papa me donne pas à manger, très méchant avec moi. Quoi, ton papa il te donne pas à manger? Ouais, il est méchant. Non, il est gentil. Bon, par contre là, attends, tu manges pas tout de suite, hein, tu mangeras à mon top, ok? Ouais. Parce que là j'ai quand même beaucoup de choses, je sais que tu manges beaucoup, donc tiens, prends. Merci. Ça. Non mais, à mon top. C'est pas moi, il a disparu tout seul. Ouais, bien sûr bébé Carlos. Hop, voilà, je mets un petit gâteau, je mets du pain, un petit chocolat chaud. Et regarde, il y a même une grosse brique de lait. Waouh! Vas-y, bah bon appétit, hein. Ça marche pas? Ouais, vas-y, c'est bon, tu peux. Ouais. Voilà. Mais purée, t'as tout fini en 2 secondes. Bah ça va. Plus, là. Encore? Non, c'est bon. Ok. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que t'es prêt. Vas-y, viens, on va dehors. Wesh, c'est qui? Oh, salut, c'est moi, Momo. Oh, salut, Momo, ça va bien? C'est moi, le fils à Talcado. Ah ouais, ok, bon, bah c'est nickel, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je voulais voir le fils de Carlos. Bah, il est là. Regarde, hop. Oh, en tout cas, il va m'écraser. Quoi? Mais pourquoi il a peur de moi? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu fais là, Momo? Vas-y, va dehors, je t'ai pas invité, mon toi. Papa, il voulait voir le bébé de Carlos aussi. Bah, il est là, enfin, ton papa, faut qu'il vienne alors. Ah bah oui, moi aussi, faut qu'il vienne, j'attends. Bon, allez, allez Momo, pars de là. En plus, c'est bientôt l'album de Damso qui va sortir. Allez, dégage. Oui, je dégage. Momo. Bon, je sais pas ce qu'il fout là, Momo. En tout cas, voilà, bon, bébé Carlos, je sais pas pourquoi t'as peur de lui, il t'a fait du mal auparavant ou qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ah ok, bon bah, je sais pas pourquoi t'as peur de lui. Bon, en tout cas, là, ça va être l'heure de te rendre à ton papa. Je sais pas s'il est à la maison. Mais voilà, on va te rendre à ton papa. Donc voilà, s'il te donne pas beaucoup à manger, là t'as quand même des réserves pour plusieurs jours. Ah oui, j'ai bien mangé là, tonton. Là j'ai le ventre bien tendu. T'as le ventre bien tendu. Bon allez, viens, vas-y. On va te rendre à Carlos. J'espère qu'il a passé un bon week-end, hein, parce que là franchement je t'ai gardé. Voilà,
faudrait pas qu'il prolonge son week-end. Moi, je vais pas te garder deux jours. C'est fini. Ah oui. Mais c'était qui là, le Momo? Momo, c'est le fils de Talcado, je crois. En fait, je l'ai pas vu beaucoup, il est déjà passé en vidéo. Mais je sais pas ce qu'il fout là dans la ville. C'est la première fois que je le vois dans la ville, les amis. C'est totalement bizarre, je sais pas pourquoi il est là, mais bon, écoutez. Du coup, bah viens, Riyad, vas-y, on rentre. On va voir si. Oh bah, la porte elle est ouverte. Carlos, il doit être là. Au secours! Quoi? Pourquoi tu dis au secours, bébé K? T'es où? Oh non! Oh non, bébé Carlos! Vas-y, viens, remonte ici, saute! Saute! Oui. Vas-y, vas-y! Wouh! Allez! Bon, attends, mais ton papa il répond pas! Oh, Carlos! Carlos? Il est pas rentré encore? Eh, hey, on avait conclu un truc avec Carlos, c'est que je le gardais pile 24 heures. Là, ça fait 24 heures, il est toujours pas rentré chez lui. C'est quoi ce. Il est où là? Il est pas là. Il est pas là. Ça se trouve, il est en train de dormir, je dis de la merde. Non, il est pas là. Bon, papa Attends, je vais envoyer un petit SMS à. Je vais envoyer un petit SMS à ton papa, ok? Parce que là, c'est. Pourquoi la porte a l'air verte? Oh, oh! Carlos! Elle se bosse, t'es dans la maison? Oui, je suis rentré, Carlos. Waouh! Oh, qu'est-ce que tu fais en maillot de bain? Je suis désolé, je t'en occupais, je suis en retard. Mais oui, t'es en retard, Carlos. Et moi, je t'ai dit, j'allais pas garder ton enfant plus de 24 heures, oui, hein, c'est fini. J'étais avec une copine, Oxymos. Ah oui, ok, t'as. C'est pour ça, j'ai pas le temps de m'habiller. T'as passé un bon week-end? Ah, une bonne soirée aussi, Oxymos. Ah là là. Sous les couettes, on faisait chaud et tout. Ah là là. Tu vas faire un deuxième enfant, des quoi? Bisous. Tu vas faire un deuxième enfant? Ah ouais, je vais faire un enfant avec Amnesia. Oh, oh, mais vas-y, Amnesia. Arrête de dire des conneries. En plus, j'ai vu qu'elle était revenue, Amnesia. C'est ouais, mais arrête de dire des bêtises, là. Bon, du coup, je te reconfie bébé Carlos. Et voilà, j'espère que vous allez bien vous entendre. Et nourris-le, hein. Nourris-le. Pourquoi? Attends, tu veux des croquettes? Non, nourris-le bien. Nourris-le bien. Ah, tu veux du pain, d'accord. Voilà, bon, allez. Pain. Bon allez, bonne journée hein. Oui, vas-y, ciao Eximos. Ciao. Bon les amis, ce qu'on va faire c'est que je vais quand même. Carlos il a l'air un peu de s'en foutre de son gosse. Donc je vais un peu l'espionner. Donc là on va essayer de. Allez bébé Carlos, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? C'était trop cool papa. Il m'a emmené dans sa super piscine, c'était un truc de malade. Nous on a pas ça, a beaucoup à manger dans une cabane et tout, mais c'est trop cool. Ah bon, c'est mieux avec papa ou avec Eximos? Avec Eximos. Oh. T'en sérieux toi? Oui. Bah tiens, va faire une balade comme ça, ça va tout bien avec moi. Ouais. Je vais ouvrir le garage. Oui. Oh là là. Bah les amis, apparemment bébé Carlos il passe un meilleur moment avec moi que avec Carlos. Ah ça c'est parti bébé Carlos, on va faire un grand voyage. Ouais. On va le suivre. Tu veux qu'on aille à une piscine, c'est une piscine géante. Non, alors donc c'est moi, ça a été beaucoup mieux. Bah non, regarde à gauche, c'est une piscine géante là. Je pense, les amis, il essaie de se rattraper et il essaie de faire mieux que moi en termes d'activité pour que, comme ça, bébé Carlos, il dise « Non, c'est toi le meilleur, papa !» Vas-y, plonge, bébé Carlos. Ah, qu'est-ce que tu fais, non? Vas-y, plonge, attends, plonge d'abord. Ah, il a poussé? Non, il a pas poussé. Ça te plaît pas, bébé Carlos? Je vais pas nager. Attends, j'arrive. Vas-y, lève-toi, je vais te ramener dans un autre endroit, ça va être encore mieux, tu vas voir. Ah, bah, viens, c'est pas mal de stop. Vas-y, viens, rentre dans la voiture. Bon ça va, il essaie de faire passer du bouton à son fils, mais j'ai pas l'impression qu'il est arrivé. Bon, je reste toujours mieux que lui en termes d'activité. Attends, sonne la voiture, bébé Carlos, tu fais n'importe quoi. Bon, je vais te ramener à notre endroit, maman. Tu vas découvrir comme ça va être bien, tu vas voir. Vite, il faut essayer de les rattraper, on est à pied. C'est... Ah non, ils vont bientôt disparaître. Ouais, on va tomber dans la faille, attention bébé Carlos. Oh. Vite, faut que je les rattrape. Oh, pourquoi? Allez, oh, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais là de où? Est-ce que tu vas aller au McDo, bébé Carlos? Oui! Eh ben, on va pas y aller! Oh, il est méchant, Carlos! Je pensais qu'il allait faire des petites activités. Tiens, bébé Carlos, tiens! Va voir le bus, ils sont super gentils, les bus! Oui, qu'est-ce qu'il va faire d'aller? Oh. C'est bon, t'as vu comme ils sont beaux? Oui! Papa! Un sac dans ma tête, bébé Carlos! Ça tchao! Oh les amis! Oh les amis! Il a abandonné, wesh! Oh merde! Waouh! Carlos, il a abandonné bébé Carlos! Oh non, il est en train de pleurer! Mais en fait, il est méchant!
En fait, moi je croyais, les amis, que Carlos, quand il a entendu que il a passé un... bébé Carlos, il a passé un meilleur moment chez moi, je me suis dit, il va se venger, il va essayer de faire mieux en termes d'activité. Mais en fait, pas du tout, il s'est juste vengé en... Oh non, il est assis par terre, il pleure. On va aller le voir après. Et en fait, non, il s'est vengé, il a voulu l'abandonner. Mais il est trop con, Carlos, parce qu'il a abandonné devant chez lui. Et bébé Carlos, il est encore plus con parce qu'il est perdu, mais il est devant chez lui. Ouais, il voulait l'abandonner dans une station service de bus ou un arrêt de bus, quoi. Attendez, on va aller le voir. Oh, mais bébé Carlos, qu'est-ce que tu fais là? Bébé Carlos! Mais qu'est-ce que tu fais là, bébé Carlos? Mais il m'a abandonné, papa! Mais pourquoi il t'a abandonné? Je sais pas, je veux dire que c'était meilleur avec toi, mais il a pas aimé! Bah. Ah ouais, il a pas essayé de te faire des meilleures activités que moi? Non! Il a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après que je sois parti? Il m'a amené me baigner dans la piscine là-bas, dans la grosse piscine, il m'a poussé dans l'eau, il est prêt à monter dans la voiture, il m'a abandonné ici, me dit regarde les bus, et il s'est barré sans moi! Oh, mais c'est un méchant! Non, par contre, j'accepte pas du tout ça, les amis. Là, Carlos, il sait pas s'occuper de son enfant, c'est n'importe quoi. Oui, bon. C'est pour ça que j'ai décidé de vivre avec toi, tonton. Oh, non, c'est bon, ça va aller. On va te rendre à ton papa. Allez, viens. De toute façon, t'es pas loin, hein. T'aurais pu rentrer à la maison tout seul. T'habites là. Oui. Bah voilà. T'habites là. Vas-y, attends, je vais t'espionner. Fais, tu dis, ouais, j'ai retrouvé la maison, coucou papa, c'est un trop bien la balade. Ok, vas-y, dis ça. Je vais t'espionner. Papa! Bah, qu'est-ce qu'on te fait là, bébé Carlos? Ils l'ont trouvé sur moi, c'était pas dur! Bah, mais je t'ai dit de regarder le bus! Oui, mais c'est Oxymos, il l'a vu, il m'a dit que t'étais méchant et tout, il m'a mené jusqu'ici! Oxymos, mais il est où Oxymos? Bah, il est dehors! Oups! Non, papa, il n'y a pas Oxymos! Il est où Oxymos? Non, bah, je sais pas, moi, tu le vois, toi! Bah, je ne le vois pas, là, t'es à la maison! Oxymos, t'en penses? Coucou! Chut! Il est là! Je suis pas là! Qu'est-ce que tu fais aussi, Oxymos? Carlos, je peux savoir ce que tu fais avec ton enfant? Je peux savoir ce que tu fais avec mon enfant? Non, bah, je le ramène parce que tu l'as abandonné, je t'ai vu! T'as cru que je t'avais pas vu, je t'ai espionné après que je sois parti! Il m'a dit qu'il préférait toi que moi! Mais oui, mais parce qu'on a fait des meilleures activités, c'est parce que tu ne sais pas encore t'en occuper, mais c'est normal! Et bah voilà, je ne sais pas m'en occuper, du coup je l'ai abandonné! Non, ça. Quand tu sais pas t'occuper d'un enfant, faut pas l'abandonner, Carlos, t'es un fou. C'est comme avec mon ami Yoyan, il fait choisir la facilité. Ah, ok, oui, mais là, faut pas choisir la facilité. C'est un enfant, tu dois pas le traiter comme ça. Si c'est dur, t'arrives pas à l'élever, et bah tu vois, par exemple, là, si il a fait des meilleures activités chez moi que chez toi, bah t'as qu'à dire, ok, bah on va faire plein d'activités comme ça, chez moi, ça va être mieux avec moi. Ah, d'accord, j'en donne des activités. Hé, hey, bébé Carlos. Viens voir ma boîte de nuit à faire des jolies filles. Non, il a pas l'âge, Carlos, qu'est-ce qu'il y a? Il a pas l'âge, il est trop petit. Mais oh, il a quel âge? Il est trop petit pour aller en boîte de nuit. Il est trop jeune. Trop jeune. Ouais, mais... il faut attendre qu'il fasse à peu près la même taille que toi et après il pourra aller en boîte de nuit. Faut que bébé Carlos il ait son premier poil sur le torse. Ouais, voilà, c'est ça un peu. Mais genre, je sais pas, amène-le à la plage sans le noyer et le pousser dans l'eau. Va lui acheter des glaces, va au McDo avec lui. Ah oui, je pourrais juste le noyer, comme ça je le pousse pas, mais je le noie quand même. Ah, Carlos, va au McDo avec lui, achète-lui des vêtements, va faire du toboggan, j'en sais rien. Mais fais plein d'activités et là il va dire « Ah, papa Carlos, il est mieux que tonton Oxymos !» Là, bon, il va dire ça. Bah ben Carlos, on fait la chicha, vas-y, viens avec non, moi. Non, pas la chicha, oui, c'est oui, pas fait pour les soirs, oui. C'est pas fait pour les enfants. Mais il faut que je fasse qu'avec lui, moi je veux faire des activités que j'aime. Alors, striptease. Ouais, vous êtes des ouf. Allez, vas-y, vous faites ce que vous voulez, mais moi je filmerai pas ça. Tu vas venir avec nous, Simon, ou Ah, c'est hors de question, moi je vais faire des vidéos et je vais jouer à Minecraft. Ah, attends, t'es vraiment un geek, Oxymos. Tu préfères jouer à des jeux de cube que t'occuper des jolies filles. Oui, mais les jolies filles, t'inquiète pas. Je vais faut bien. Leur dire. Je vais... Hey, mademoiselle, t'es charmante, tu veux une... mais ma pas... glace à la menthe. J'ai pas besoin, j'ai juste besoin de reconquérir celle qui m'a quitté, ma femme, ma copine, quoi. Alice. T'as bien aimé. Ah, le m'a bien aimé, Alice. Des merveilles. Bah oui, voilà, donc il faut que je la. J'ai pas besoin d'aller voir d'autres filles, elle, je l'aime déjà. Oh. J'ai donné Oxymos. Quoi? Toi, tu récupères Alice et moi, je récupère Alicia. Non! C'est mort. Mais,
Oh. Tu vas trouver d'autres copines en Ma soeur. Bébé Carlos, on va te présenter bientôt maman Alessia, t'inquiète pas. Non, c'est mort. Au pire, vas-y, allez, bonne journée Carlos et tout, faites plein d'activités, hein. Alors, c'est ciao, Maximo, c'est ciao. C'est ciao. Bon, voilà, je vais les laisser dans leur délire parce qu'ils disent vraiment n'importe quoi. En tout cas, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Purée, mais Carlos, il a failli abandonner bébé Carlos, quoi, juste parce qu'il sait pas s'en occuper, c'est un truc de ouf. Il faut aller dans la chaîne de Carlos, Carlos l'alien, et vous lui dites, ok, il faut s'occuper de ton enfant comme ça, tu lui donnes à manger 3 fois par jour et tout, allez le voir, allez vous abonner à sa chaîne et dites-lui ça. Bref, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, c'est le plus important, et évidemment, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Allez voir ma boutique de t-shirts, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oximos, bon service. Allez, ciao, ciao.